Camilla Parker Bowles est malade. La reine consort a été testée positive à la Covid-19. L'épouse du roi Charles III doit annuler tous ses déplacements de la semaine. Si Camilla Parker Bowles devait initialement se trouver loin de son époux à l'occasion de la Saint-Valentin, elle a dû annuler son déplacement prévu dans le comté des Midlands de l'Ouest pour célébrer les 100 ans de la Elmhurst Ballet School, à cause de son état de santé. En effet, la reine consort a été testée positive à la Covid-19. La reine consort souffre d'une maladie saisonnière, le langage du palais pour désigner une toux ou un rhume, et a annulé ses engagements de demain dans les Midlands de l'Ouest, qui seront reprogrammés, a ainsi dévoilé sur Twitter, lundi 13 février, Rebecca English, journaliste pour le Daily Mail. Un peu plus tard, Buckingham Palace a précisé qu'elle était atteinte de la Covid-19 et qu'elle annulait donc ses déplacements pour la semaine. Une nouvelle qui a dû particulièrement attrister l'épouse du roi Charles III tant elle est passionnée de danse. D'ailleurs, elle parraine l'école dans laquelle elle devait se rendre depuis 2006. Lors de sa visite, elle aurait dû visiter l'établissement pour y constater les nouveautés apportées, prendre une photo officielle avec les petits rats et enfin se rendre dans la ville de Telford afin d'inaugurer la toute nouvelle bibliothèque municipale. Camilla Parker Bowles est une grande fan de danse. Preuve que la reine consort est une grande fan de danse, elle s'est déjà rendue à plusieurs reprises sur le plateau de l'émission Strictly Come Dancing, la version anglaise de Danse avec les Stars. Elle adore le spectacle, elle est même allée voir le plateau. C'était merveilleux. Elle a siégé au jury, a tenu un stylo et s'est impliquée. Elle a rencontré tous les membres de l'équipe. C'est un honneur d'avoir des fans royaux parmi nos téléspectateurs, avait confié Tess Daly, co-présentatrice du programme, au magazine Hello.